Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un petit nouveau dans la famille. Donc c'est toujours un Baofeng, mais cette fois-ci, c'est le modèle Hap BF88E. Alors pourquoi tester un nouveau Toki? Eh bien tout simplement parce que celui-ci est aux normes françaises. Il n'a pas l'antenne démontable et sa puissance est limitée à 0,5 watts. Donc parfait pour être dans les clous. On le reçoit avec son chargeur, une petite dragonne et un clip ceinture que je n'ai pas monté. Pour la présentation de la bête, on a le bouton on-off. On le tourne. Et là, l'annonce du canal, one. Ici, le sélecteur. Etc. On va se replacer sur le 1. Donc l'antenne, pas démontable. Ici, on a le bouton PTT pour pouvoir transmettre. Un bouton qui sert à ouvrir le squelch. Et ici, c'est le bouton pour allumer la lampe. Voilà. Et ici, la petite diode de réception. Donc, elle s'allume en rouge lorsqu'on transmet. Et là, si avec le Baofeng, l'autre Baofeng que j'ai, j'appuie, hop, là, elle s'allume en vert pour montrer qu'on est en train de recevoir un signal. Il est assez léger. La batterie fait 1500 mAh, donc c'est pas mal. Surtout qu'il n'y a pas d'écran ni rien, donc c'est vraiment un Toki qui ne consomme pas beaucoup. Au niveau de la taille du corps, pour comparer avec l'UV5R, on est sur un corps à peu près similaire. Par contre, l'encombrement, c'est vraiment au niveau de l'antenne. Hop. J'essaie de vous mettre au même niveau. Voilà. Ça prend quand même un peu moins de place dans le sac. Là, ça fait quelques temps que je l'essaie. Le son est correct. Franchement, pour son prix, c'était une vingtaine d'euros la paire de Toki. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse des tests en particulier, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vais voir sur les prochains mois s'il est robuste, s'il tient le coup, combien dure la batterie. Et voilà, à bientôt!